back in the days. Let's go. Salut les kids, enfin auditeurs, ceux qui nous regardent, je suis avec Bartis. Comment ça va les gars? Bah les gars tout seuls, je m'appelle Greg, ça va super bien. Le gars. Donc du coup vous allez nous sortir une nouvelle galette là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album? Eh ben c'est un 8 titres, enfin 7 titres plus un bonus qui s'appelle First the Town Then the World. C'est notre première vraie sortie dans le sens où on a sorti qu'une démo 3 titres fin 2015, début 2016. Et donc voilà, bah, du punk rock rapide, parfois atypique de par les structures et tout ça. Mais on n'aime pas dire qu'on fait du punk rock, on n'est pas trop pour les étiquettes. Donc voilà, on aime bien dire aussi qu'on fait du trash pop. Ok, je vois, c'est marrant ça aussi. Donc du coup, Bartis, avant cet album, est-ce que vous avez déjà composé, faire des maquettes ou des EP peut-être? Ouais, ben on avait une démo, donc 3 titres en fait, on avait enregistré beaucoup plus de démos justement dans un but de démarchage pour essayer de convaincre des labels, parce que le gros problème des beaucoup de labels actuels, c'est qu'ils veulent entendre le produit final, limite avant même qu'il soit enregistré, puis quand tu reviens les revoir avec un produit final en disant on aimerait bien le sortir dans 3-4 mois, ils disent ah mais désolé, mon planning de sortie est déjà plein, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est fait chier vraiment à faire des démos qui sont plus des pré-prod au final. Voilà, donc au final ça sort sur une bonne dizaine de labels différents, en digital, en CD digipack et en vinyle. Un magnifique vinyle, rouge transparent, splatter noir. T'inquiète pas, tu le veux, t'en as pour ton pognon. D'accord. Du coup, vous avez joué peut-être pour défendre cet album, vous avez joué peut-être sûrement à Paris, ouais, ou en Provence, Et pas que. On a déjà régulièrement joué dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. On n'a pas de date. Si, on a des dates en Belgique qui sont prévues, quelques dates sur le nord de la France. Paris, on aimerait bien revenir forcément, mais. Faut qu'on trouve des dates, une bonne opportunité de revenir. On a une tournée en Angleterre qui est prévue début juillet, donc 5-6 dates en Angleterre, donc 4 qui sont déjà bookées, on cherche les dernières, là, histoire d'eux. Et puis après l'été, ouais, pas mal de trucs qui sont prévus, très probablement une tournée européenne, le label italien nous réclame pas mal, donc... C'est cool, ça. On va essayer d'aller faire quelques dates là-bas. Si on peut pas le faire dans le cadre d'une tournée européenne, on prendra un Ryanair et puis on ira faire des dates là-bas. Et pourquoi Bartis comme un groupe, tout simplement? Ça fait marrer, quoi. Eh ben, alors déjà on s'est dit que les Français allaient super mal le prononcer, donc ça nous faisait bien marrer. C'est bien prononcé? Non. Tis comme dans, je sais pas moi. Tif. Bertif. Bon, enfin bref, ça se trouve, je le prononce aussi super mal. C'est vrai ? Cool. Et puis, à côté de ça, en fait, on se disait, c'est Bertif, littéralement, les dents nues, montrer les dents. On aimait bien le côté un peu... C'est un peu agressif, mais sans non plus être totalement bourrin. Et ça se rapprochait aussi de l'idée, tu sais, d'avoir les crocs, avoir envie, tu vois. Donc ouais, ça colle bien à notre état d'esprit. Ok, super. Et là, vos projets, donc du coup, maintenant que vous avez sorti cet album, ça s'est passé d'abord comment en studio, cet album? Voilà, Alors, le problème, entre guillemets, de cet album, c'est qu'on a mis un an à le faire. On a commencé les enregistrements en mars 2016, et on a eu le mastering livré vers mars de cette année, mars 2017. Donc ça a mis énormément de temps, on a eu une galère parce qu'on a changé de bassiste. Notre bassiste qui quittait le groupe voulait bien enregistrer, mais malheureusement il s'est pété le pouce en mars, donc on a dû trouver impérativement un autre bassiste. Pendant ce temps-là, on a enregistré les grattes. On a trouvé un bassiste qu'en septembre, donc il a fallu qu'il apprenne vraiment les morceaux avant de se sentir prêt à aller en studio. Puis il a dû bosser des chœurs aussi pour les rajouter. On a fait mixer notre disque par Trevor Reilly, le guitariste de Wilhelm Scream, qui lui aussi a un planning de tournée très chargé, parce que Wilhelm Scream c'est un groupe qui tourne beaucoup dans le monde, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et le mastering aurait dû se faire au Japon comme pour nos démos, mais malheureusement ça n'a pas été possible, encore une fois pour des questions de planning. Donc on l'a fait avec le père de Trevor Reilly, qui a justement un studio de mastering. Mais à la fin on est super content du résultat. Ok, super. Il y a une histoire dans cet album, dans ce 8 titres, avec son bonus.
de quoi parlent ces morceaux, de quoi ça parle tout simplement. Alors, il n'y a pas de trame générale sur l'ensemble du disque. On a des titres comme First the Time Then the World ou Tomorrow Starts Today qui parlent vraiment de nous, du fait qu'on sait d'où on vient, on est petit, mais voilà, on sort les doigts du cul pour parvenir à ce qu'on veut. Tout simplement, voilà, on veut grossir, on veut faire des belles dates, on veut jouer partout dans le monde, on veut diffuser notre musique, mais il faut croire en ses rêves, il faut pas croire qu'on viendra te chercher pour ça. Donc ça parle de ça. T'as des titres comme plus dark, comme Down et Always Rain, qui parlent plutôt de suicide et de dépression, donc c'est des termes qui sont pas super faciles à aborder, mais qui nous touche parce qu'on a parfois été confronté à des amis qui ont été confrontés à ces sujets-là, donc c'est un peu difficile et c'est un peu un exutoire que d'en parler dans des titres. On a un titre comme Behind the Wall qui parle plus de la vie de tournée et de la chance qu'on a de nous pouvoir tourner. Moi j'ai pu tourner dans des pays étrangers, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et tu te rends compte que les gens t'accueillent chez eux, mais vraiment de manière hyper ouverte, ils sont contents de t'accueillir. T'es dans des pays où les salaires sont vraiment pas pareils qu'ici, et les gens, t'as faim, ils te filent à bouffer, t'as un endroit pour dormir, les gens ils se plient en quatre pour que toi tu puisses réaliser ta passion. Et je trouve ça super cool, c'est une manière un peu de leur rendre hommage à toutes ces personnes chez qui j'ai pu dormir, chez qui j'ai pu passer des bons moments. Parted Ways parle plus de... C'est des gens qui ont des passions en étant ados, jeunes adultes, et puis qui à un moment se disent qu'ils doivent grandir, tu vois. Avoir un travail avec des responsabilités, devenir chiant, quoi, en quelque sorte. Et Parted Ways parle justement d'une amitié qui se fout un peu en l'air toute seule, parce que certains... parce que un des deux protagonistes, ouais, décide de se ranger, en quelque sorte, et de tourner le dos à ce qu'il a déjà été. Et enfin, on a Distance Need Guns, qui parle de la violence avec les armes à feu et du fait que certains Mongols pensent que la société irait beaucoup mieux si tout le monde avait des flingues à la ceinture et que... J'ai vraiment un pays qui pense ça. Ouais, malheureusement, ils sont pas tout seuls. Et les dernières élections montrent aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça en France, tu vois, que si on mettait plus d'armes en circulation, tu sais, il n'y a que les méchants qui mourraient. Tu sais, c'est une vision... très enfantine de ça. Bah, merci beaucoup pour cette interview. T'as quelque chose à rajouter, enfin pour conclure, quelque chose qui te tenait à cœur de rajouter, ou j'ai fait le tour ou... Eh ben, venez à nos concerts, même si vous aimez pas la musique, venez boire des bières avec nous, on passera un super moment. Et nous c'est comme ça qu'on conçoit le truc. Voilà, merci beaucoup. Back in the days,